Salut! Bah, je l'ai pas ouvert complètement le. Le. Bah, je sais pas, il manque un bout là, non? Comment ça? Bon, comment vous allez, petite menace, aujourd'hui? Ah, ça va bien aujourd'hui! Ah, vous êtes en forme, on est content. Bon, alors, aujourd'hui, on voulait déjà vous dire qu'on reprend les daily vlogs jusqu'à la fin de nos vacances. Donc là, on est à 5 jours du départ. Et voilà. On reprend les daily vlogs à 17h30 tous les jours, du coup? Bah ouais, du coup. À partir de maintenant. Et du coup là, je suis désolée, j'ai des poils sur la bouche. Alors moi, si vous trouvez que je me suis roulée dans mon pot d'highlighter, c'est normal, c'est la vérité. Parce qu'en fait, je suis en train de vous faire une vidéo sur comment camoufler l'acné. Et lorsqu'on fait une vidéo maquillage, on est obligé d'en mettre plus pour que ça se voit. Sinon ça se voit pas. J'ai vraiment des poils sur la bouche qui me gênent beaucoup beaucoup. Enfin, Guy, non, c'est de l'épluche des pulls. Ah, c'est la merde. Ça m'énerve. Ah, ouais. Est-ce que vous avez ce problème aussi? Parce que nous, ça nous rend malade, on est en train de devenir hystérique. Tanguy est en train de faire à manger. Ouais. Des pâtes? Des pâtes au pesto? Pâtes au pesto. Avec l'huile d'olive, juste. Avec l'huile d'olive et rôti froid. Et rôti froid. Voilà, donc. J'ai un truc dans l'œil. Hein? J'ai un truc dans l'œil. Ah bah une pluche, hein? Voilà. C'est ce qu'on disait. Donc bon, aujourd'hui, j'en ai chargé comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais tant mieux, on adore ça. Là, ce que je vais faire, c'est que bah, attendez, venez, on monte. Tirim, tirim, chacha! Qu'est-ce que tu fais là, chacha? Des bêtises? Chacha d'amour. Vous voulez le voir ou pas? Parce que là, je le garde pour moi. Ah bah bravo, Didier est là également. Sur les mousses, ouais, ça a été un fail hein, ce truc. Mais tadam. Mais regardez, oh, Chacha, il est trop beau, Chacha. Je vais aller lui faire des câlins, vous allez voir, il en voudra même pas. Vous savez, c'est notre pièce bordel ici, hein, clairement. Bonjour Chacha. Oh, petit cœur. Ouais, ok, Chacha. Didier, est-ce que tu serais un petit peu plus réceptif? Bonjour Didi. Ah, un petit peu plus réceptif le Didi. Ah, j'ai faim, ça y est, j'ai officiellement la dalle. Bon, au revoir les minous, normalement vous n'avez pas le droit d'être dans cette pièce, hein. Alors j'ai tourné ma vidéo à temps, hein, parce que à partir, en fait là il est, je sais pas du tout, en fait je n'ai pas assis, mon téléphone est là. Quelle heure il est? Ah, 12h53. Je pense qu'à partir de 13h15, ouais, 13h30 peut-être, j'aurais pas pu filmer parce que quand il y a le soleil comme ça, c'est la galère. Donc voilà, tout mon bazar est là, la caméra, de quoi filmer, mais l'éclairage, ça a pas du tout l'éclairage que j'ai ici, c'est un peu la galère. Et donc, les fameuses mousses. Donc ouais, voilà, c'est la catastrophe, mais bon bref, c'est comme ça, c'est la vie, je vais éteindre les bougies. Et je vais aller aider Tanguy à faire à manger. Tout à l'heure, il me restera à faire les close-up. Mais là, ce que je vais faire tout de suite, là, c'est que je vais emporter aussi dans la caméra pendant que j'aide Tanguy à faire à manger. Dans l'ordinateur, pardon, les prises. Comme ça, je vais pouvoir voir si la luminosité est bonne. Ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà, le soleil n'a pas arrêté de bouger. Donc je vais aller faire ça de suite. Comment vous allez, les petites menaces? On se retrouve un peu plus tard. On a mangé. J'ai terminé de me maquiller. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les close-up. Donc j'ai tout ce bazar à ranger, c'est sympa. Et ensuite il faut que je fasse les close-up de tout ce qu'il y a sur cette table-ci. Donc c'est parti. Je suis en mode tranquille, moitié pyjama, moitié pas pyjama, voilà. Got a friend that graduated college. Middle school, we made a pact. When she made it, I would be her client. Studied law, hit them books a lot. I see you rising. Bon, ça y est, j'ai terminé, les amis, la partie close-up de ma vidéo. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. C'est vraiment la partie que je déteste le plus, faire les close-up. Parce que il faut vraiment garder le bras mobile, faire la mise au point dessus. Et on bouge d'un millimètre et ça y est. C'est foutu, faut refaire la mise au point. Surtout là, je le fais tout seul parce que Tanguy fait autre chose en bas. Donc c'est encore plus chiant. Donc ouais, c'est vraiment un truc c'est le truc que j'aime le moins en fait. Dans le montage, dans le tournage et tout ça, tout ça. Voilà. Autant il y a énormément de choses que j'adore, autant ça. En fait, c'est une question, il faut être patiente en fait. Et je suis la reine des impatientes. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un shooting pour la miniature de dimanche. Sachant que la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, c'est pour mercredi. Donc dans un petit moment, aujourd'hui on est vendredi mais on part en vacances mercredi,
il faut faire aussi un shooting photo. Voilà, donc c'est parti, deux shootings maintenant. Oh là, où est la luminosité? Je ne sais pas pourquoi je me mets par terre. Bon, c'est un peu la course, je suis en galère. Je vais devoir partir. Coucou Didi. Hey Didi. Je voulais, il me restait juste la pièce maquillage à ranger, mais j'aurais pas le temps de la ranger. Hein mon petit Didi, comment tu vas? La dernière fois je l'appelais Pi Didi. Parce que je l'appelais mon petit Didi, mais j'avais du mal à le dire, donc voilà, c'est mon petit bœuf daddy. Mon petit Pi Didi, mon petit Pi Didi. Ah, il y a le prix sur ma casquette, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal Didi qu'il y ait le prix sur la casquette de maman? Bon bref, je vous fous la paix, là je vais m'en aller. Et voilà, je vais à la salle de sport, Tanguy il va de son côté, il est vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, je craque sur ces chats, ils sont trop beaux. Bref, on se retrouve plus tard, du coup ce soir en fait on a un spectacle. Donc j'aurai à peu près une demi-heure pour me préparer, un spectacle. Ouais, un spectacle. Et j'aurai à peu près une demi-heure pour me préparer, donc voilà, j'espère que je vais pas trop galérer à reprendre ma voiture et tout, et à rentrer, et bon, ça va aller, ça va bien se passer. Hé hé, bon là on vient de rentrer de la salle, donc il y a le frère de Nomi qui est caché derrière la porte, il est en train de mettre la table, pas. C'est ça, quand on invite les gens à la maison, il faut qu'ils mettent la table. Et en fait, après, on va aller voir le pestacle. Donc avant le pestacle, on a dit, on fait des faritas. Donc je me suis fait une grosse assiette, une grosse marmite de poulet avec tout ça. Et ça a l'air super bon. Je me suis fait la sauce moi-même avec des épices qu'on avait nous. Un peu de crème fraîche. Regardez-moi ça, comme ça donne envie. Hello tout le monde. Bon, je vous retrouve le lendemain. On a un peu fauté. Mais hier, on est allé en fait à un spectacle d'un humoriste, et quand on est rentré il était super tard, on était super fatigués, donc on n'a pas clôturé, et je sais pas du tout combien de temps va durer le vlog, mais comme je vous en... Ouh, tout est soufflé, je suis désolée, j'ai galéré un petit peu, mais comme je vous avais dit dans le dernier vlog, voilà, que je vous montrerai le dressing, si jamais ça vous intéressait, le vlog est pas encore en ligne alors je vous parle, mais je suis pratiquement certaine que vous allez me dire oui, on veut voir le dressing. Donc voilà, ce dressing qui est terminé, je vais vous le montrer, comme ça je suis sûre que vous serez content, que ça vous fera plaisir. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors sachez que il y a deux dressings ici, tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Les pièces sont vraiment toutes petites, c'est des pièces qui font moins de 10 mètres carrés à l'étage, et qui sont mansardés, donc ça réduit encore les mètres carrés. Du coup on a dû procéder comme ça parce qu'on en avait la place aussi, donc on en a la possibilité, on n'a pas encore d'enfants, donc on peut faire ça. Quand on aura des enfants, bien sûr que ce sera pas la priorité, mais du coup voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu où ça en est, et sincèrement ça ne bougera pas dans cette pièce-ci, donc tant mieux. Les affaires de Tanguy sont pas du tout dans cette pièce parce que lui il a pas voulu se mettre des affaires sur les portants ici, il les a mis dans l'autre dressing qui est en train de se terminer, et il a simplement en fait ses montres et comment dire, parce qu'en fait ici il n'y a que des trucs sur cintre, les montres, les lunettes de soleil, donc il a mis ça ici, mais sinon le reste et encore hein, j'ai dû me battre parce que lui genre il veut tout laisser dans sa salle de bain ou dans un meuble en bas pour pouvoir les mettre et pas galérer. Il est pas trop comme moi classé, enfin bref, on n'est pas du tout pareil là dessus peut-être que vos mecs sont pareils aussi. Que genre c'est pas une boîte avec les montres, non, c'est genre ma montre du moment, je la balance sur le bureau, je la remets le lendemain, donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Donc bref, trêve de blabla, je vais vous montrer ça. Alors ça se présente comme ça, je sais pas du tout combien elle fait exactement cette pièce, à mon avis 8 mètres carrés je pense, un truc comme ça, c'est pas très grand, hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est pas énorme, et d'habitude bien entendu il n'y a pas ce bordel par terre et il n'y a pas ce bazar ici, c'est des choses qu'on vient de repasser. J'ai l'impression que les chats ont un peu sauté dessus, non, vous en pensez quoi? Que ça va finir tout froissé alors que ça vient d'être repassé. Bref, du coup voilà, en fait il faut que je les roule d'une façon bien spéciale dans la valise. Il faut que je continue tout ça en fait aujourd'hui. Je pense que je vais le faire dans le vlog d'aujourd'hui avec vous. Mais du coup j'ai mis des portants. Alors celui-ci c'est Monique qui nous l'a donné. Monique, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Les cintres, c'est tous des cintres qui viennent de chez Ikea. Sauf celui-ci qui vient de chez Primark. Je sais pas trop ce qu'il fout là en plein milieu. Il est très bien comme ça. Là j'ai mis mon sac, je l'ai suspendu parce que c'est un de mes sacs vraiment préférés en ce moment.
C'est un sac de chez IKKS, je l'aime vraiment beaucoup. Donc ici, c'est particulièrement des vestes, que ce soit des petites vestes ou des grosses vestes. Et par contre, ici, c'est un gilet que j'avais eu à la Get Beauty. Enfin, un gilet, un pull sweat que j'avais eu à la Get Beauty. Il y a marqué YouTube, donc je suis... Vous savez, moi, YouTube, c'est vraiment une grosse partie de ma vie. Ça tient une place énorme dans mon cœur. Voilà, donc j'avais très envie de le mettre là à la vue dès que je rentre. En dessous, on a les paires de chaussures que je préfère mettre en ce moment. Les autres sont en bordel dans l'autre pièce. Ensuite ici, on a des bombers, des chemisiers, des petits blazers, ce genre de trucs. Enfin, j'ai vraiment essayé de mettre un max de trucs sur les portants. Ces portants-là, ils coûtent 10 euros chez Bud. J'ai voulu prendre les moins chers. Et c'est un peu de la gnognotte. Hein. Clairement, faut pas plus les charger que ça. Vous pouvez pas plus serrer pour charger. J'ai encore plein de trucs sur cintre que j'aimerais mettre dans cette pièce, mais je peux pas parce que c'est un peu de la merde. Mais ça coûte 10 euros, c'est pas très cher. En bas, j'ai un sac que j'aime beaucoup, des chaussons que j'aime bien, un coffret Lush, un coffret Benefit. Ici, c'est un meuble qui vient de chez Maison du Monde. Si jamais j'ai des liens pour tout ça, je vous les mettrai en barre d'infos. Vraiment, je vais essayer de vous mettre ça en barre d'infos. Dans ce meuble-là, c'est une grosse partie de mes sacs à main. C'est le sol qui est craqué, je précise. C'est le fauteuil, genre la fille encore. C'est le sol, je vous jure que c'est vrai par contre. Au-dessus, j'ai des coffrets collector dont j'ai pas envie de me débarrasser. J'ai pas pu tous les mettre, je suis... C'est un peu petit, hein, clairement, mais bon, j'ai déjà une chance énorme d'avoir une pièce comme ça. Je pourrais très bien juste avoir une petite commode, donc j'ai déjà beaucoup de chance et ça me fait déjà super plaisir de pouvoir en exposer certains. Donc voilà, j'en ai exposé quelques-uns. Et j'ai ici une enceinte Beats, un diffuseur d'huile essentielle. Je le mets dans cette pièce parce que je le fais brûler en fait quand les chats peuvent pas rentrer, ou alors dans la chambre si je fais pas rentrer les chats ou ce genre de truc. Et ici, c'est une brume... Ouh! Attendez les gars, voilà, on est de retour. C'est une brume de chez Sabon en fait pour le linge, et je vous avoue que je l'utilise pas vraiment, donc voilà. Ensuite ici, bah, un autre portant comme je vous le disais, là au bout j'ai... c'est pas encore au point parce que j'ai encore plein de trucs à mettre, et sur celui-ci je vais pouvoir en mettre encore quelques-uns, mais voilà, des petites choses que j'aime bien porter. C'est vraiment les fringues que j'aime le plus porter en fait dans cette pièce, puisque c'est cette pièce qui est terminée tout simplement. Le fauteuil, il est magnifique, je l'aime trop. Bon, il est en velours, donc encore une fois ça prend un peu toutes les pluches, et si jamais les chats rentrent qui se mettent dessus, bon bah voilà, c'est un peu la galère, mais il est vraiment canon, il vient de chez Maison du Monde. Et là, c'est donc des affaires, comme je vous le disais, que je vais emporter en vacances. Ici, pareil, des coffrets que j'adore. Ça, je l'avais acheté 10 euros chez Casa, franchement, ça vaut trop le coup. J'ai mis quelques parfums que j'aime beaucoup, un diffuseur d'huile essentielle de la marque L'Aurore, une bougie L'Aurore, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment mon style. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Cette bougie, elle est absolument... magnifique. Et voilà, là ce sont des fleurs de la marque Grace. Bon, je vous en avais parlé, moi c'est pas quelque chose que je vous recommande. J'avais été très déçue de la façon dont c'était arrivé. Je l'avais pas payé, hein, mais ça part en lambeaux. Franchement, ça coûte mais peut-être 200 balles ça. Et ça part en lambeaux, donc voilà, c'est pas quelque chose que je vous recommande, je préfère vous le dire. Ici, oui, je suis en grenouillère, en fait, je suis en train de conserver, un peu d'emmagasiner la chaleur, puisqu'on va aller vadrouiller dehors pendant quelques heures, faire une session d'urbex, et du coup, bah, je vais me geler, je le sais pertinemment, je vais me geler. Et là où on va, à mon avis, on a bien une heure et demie de route, je pense, donc il va faire moins 10, donc voilà, j'emmagasine la chaleur un max. Mais ce miroir, et donc au-dessus, on a un Velux. Voilà, c'est canon, j'aime beaucoup, il fait très beau. Et ce miroir, il vient de chez Maison du Monde. Ensuite, on a encore un coffret collector. Ça, c'est parce que je me suis commandé un pantalon de chez House of Stevie qui est ici, mais qui est beaucoup trop long. Genre, il y a au moins 7 de trop. Je sais pas si vous vous rendez compte, donc je sais pas si je le renvoie ou si je le fais reprendre. Là, j'ai toutes mes vestes en jean et ici, des vestes kaki. Voilà, tout simplement. En dessous, cette peluche-ci, c'est une peluche auquel je tiens beaucoup, enfin à laquelle je tiens beaucoup, puisque c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert à, que je dise pas de bêtises, j'aime bien me rappeler des lieux, au Maybelline Beauty Day. Et au-dessus, on a son grand frère que je m'étais offert. Ici, les écharpes que je préfère et deux bonnets que j'ai ici qui ont survécu à Didier. Parce que Didier, quand il vient dans cette pièce, il attrape un bonnet dans sa bouche. Il galère à sortir parce qu'il marche dessus. Ouais, c'est un peu la galère, il a un peu du mal à sortir avec ça dans la bouche parce que ça traîne par terre. Et c'est les seuls qui ont survécu, qui sont encore là, qui sont pas je ne sais où dans la maison. Voilà, donc j'ai fait ce que je pouvais pour... inséré important ici. Ça, c'est une étagère. Alors, je pense
que c'est encore chez Ikea, à mon avis oui, j'ai dû l'acheter il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Elle est super cette étagère, puisque c'est pas une étagère toute bateau, c'est vraiment une étagère costaud. Et en même temps elle coûte un peu cher pour du Ikea je trouve, mais c'est une super étagère, bien costaud et plus jolie que les étagères habituelles. Vous voyez vraiment les détails ici. Et ça c'est une boîte que j'ai achetée en solde chez Zara Home, d'autres sacs voilà auxquels je tiens beaucoup. Et ici on a une boîte pollen dans laquelle il n'y a pour l'instant rien. Et dernière chose que je ne vous ai pas dit, c'est le tapis, mais je vous l'ai déjà montré dans un vlog. C'est un tapis Maison du Monde qui est vraiment très beau et je trouve vraiment très joli. Et bien voilà les amis, j'espère que ce dressing tour vous a plu. Vous voyez ici, il n'y a pas les pantalons, il n'y a pas les bas, il n'y a pas les sous-vêtements, tout ça c'est dans l'autre pièce qui est en train de se faire. Enfin en fait, en train de se faire c'est un grand mot, on est en train d'essayer d'organiser mais c'est une catastrophe. Donc voilà, si jamais vous voulez voir vraiment l'avancée de l'autre pièce, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air et on fera ça ensemble. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Je me permets de clôturer Saint-Tanguy puisqu'il est en bas en train de travailler sur sa miniature je crois. Et je suis super contente puisque on a tout terminé pour la vidéo de demain. Ce matin on a bossé là-dessus, on s'est avancé voilà, étant donné qu'on part en prévision de nos vacances en fait. Et également la vidéo de mercredi. On est samedi donc je suis plutôt contente. Il me restera lundi, mardi pour tourner une autre vidéo, voire même encore une autre, et faire du montage quand on sera en vacances. Donc voilà, j'espère en tout cas les amis que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les jours à 17h30 à partir à partir de ce vlog là. Donc voilà, des millions de bisous de la part de Tanguy aussi, je sais très bien qu'il se joint à moi. Et à demain 17h30.